à tous et à toutes, c'est Gaïto et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau nouvel épisode de notre aventure sur notre Let's Play sur Moon Hunter, le dernier. J'espère que vous allez bien et c'est parti. Alors Sargon, nanana, vous chasse, vous êtes le choix de la déesse, comment allez-vous vous défendre? Le pouvoir. Nos armes pourront nous défendre contre la... lorsqu'elle dans ce spatin... Ah, on a obtenu son costume en mode c'est cool. Ok, 2 jours restants, on va aller finir les 2 jours et puis Uruk, on peut plus y aller. J'aimerais bien trouver les autres villes. Oh, on a la porte des esprits. On va essayer d'aller à la porte des esprits. Ah, j'aurais peut-être dû y aller plus tard en fait. Parce que le souci, c'est que la porte des esprits, je vais pas être assez fort. Ouh, quoique. Quoique, peut-être que il y a des chances. Putain. Attention, attention. Bam, bam, bam. Ouh, il y a des chances que... qu'on y arrive, en fait, hein. Attendez. Hop. On a quelque chose ici. Ah oui, ok, faut être courageux. Faut être courageux. Bam, 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 bam. Coucou. Aïe. Viens par là. Aïe. Saloperie. Non mais... Alors... Je vois vos intentions vengeresses. Vous qui vous pensez héros, devrions-nous travailler? Acceptez. L'oiseau s'envole. Vous recevez la plume d'Anzu. What? Merci beaucoup, je vais continuer de crier, nanana. Attendez, c'est la première fois que j'obtiens un truc comme ça, je crois. Je sais pas. Je... Je suis dans le doute, là, hein, les amis. Je pense que vous l'aviez remarqué, je suis dans le doute. Non, 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 suffit! Non, casse-toi, toi! Non, putain! Putain, mais je... Eh, merde! J'arrête pas de dire des gros mots, c'est pas bien. C'est pas bien, Kaito, de dire des gros mots. Allez. On t'est brisé comme si quelqu'un... On va fouiller. Ça m'a donné... Nanana... Je sens de la fumée, quelque chose brûle. Oh non, pas déjà. On a trouvé que 2. On a trouvé que 2 villes, pourquoi? Bon, bah on va aller au lieu de culte, hein, tant pis. On a trouvé que 2 villes. Oh, je suis triste, j'aurais bien aimé qu'on trouve d'autres villes. Genre, vraiment que ce soit donné sur la carte. Que peu importe, ça fasse avancer le scénario, mais en fait on dirait que... Que dalle. Que dalle, que dalle. Conserver. Donc on est patient une nouvelle fois. Ici il y a quelqu'un. Bonjour. D'accord, on peut pas lui parler. Non mais... Bon après j'espère qu'on fera mal. Parce que... Bon. Voilà quoi. Ah, on va pouvoir tester sur toi. Ouais, pas sûr, hein. Pas sûr qu'on fasse tant mal que ça. Bon, après, je suis à 33. Bon, après, on va pas cracher dans la soupe non plus, hein. Mais, ah merde! J'étais en train de me gratter le nez et puis ils m'ont pris en fourbe, ces bâtards.
Ah, parfait. C'est ce que je cherchais. Attention. Putain. Mais merde! Putain, je vais mourir. Parfait. Bon, par contre, je suis mort si je ne vais pas ici. Voilà, parfait. On va se guérir. Et puis voilà. Parce qu'il ne faut pas déconner non plus, hein. On n'est pas immortel, hein. En plus, on est méga faible, je trouve, hein. Au contraire, même, hein. Pas du tout. Putain, mais allez! Putain, mais. Et j'arrête pas de dire des gros mots, c'est pas bien, Keito. Cesse de dire des. Ah, parfait. Cet ennemi-là. On va pas faire comme d'habitude. Parce que d'habitude, on le. Un démon vous a marqué en tant que sien. Débattre. Ah, d'accord, ok, ça marche toujours pareil. Okay, ça fait toujours la même chose. Et. Putain. Wow. Je vais mourir. Ouais, de toute façon, je vais me laisser mourir. Voilà. Voilà. J'avais prévu de me laisser mourir. Hein? C'est ma dernière chance. Nanana. L'aube du quatrième jour approche. Tout en vérifiant. Éviter. En fait, j'aurais peut-être pas dû monter ma force, mais peut-être ma magie, je sais pas. Je sais pas du tout, du tout, du tout. On va aller voir. Est-ce qu'on va trouver Baba Yaga cette fois? Je sais pas. J'aimerais bien. J'aimerais bien, parce que c'est. Enfin, voilà, quoi, c'est Baba Yaga quand même. Alors, déjà, on a le. Le marchand. Ah, attendez. Sargon, j'ai trouvé une comptine, nanana. Lorsque les chakrams volent, ils s'exclament, nanana. Ok. Mais je suis déjà mid-life, quoi. Putain, mais non. La rafale de feu, nanana. Ok. C'est une blague, quoi. Je suis déjà mid-life alors que. Please, quoi. Please. Baba Yaga, elle est ici. Enfin, c'est la maison de Baba Yaga. Alors. Fille, l'odeur délicieuse de la mortalité est épaisse. Est-ce que vous venez ici de votre propre obligé? Je comprends pas cette femme. Voilà. Je vous le dis, je comprends pas cette femme. Moi, je. Bon, du coup. Voilà, on va arriver. Je pense qu'il va y avoir un nouveau truc, pas comme d'habitude. Sargon, mon adversaire final. Je craignais que vous n'ayez. En revanche, votre destruction sera. Ah, bah non, pas du tout. Ah, pourtant, ça aurait été bien le truc à. Ça aurait été bien été le moment à mettre un. Un truc pas comme les autres, parce que enfin Sargon c'est comme un traître. Enfin je crois, enfin. Enfin quand même, je sais pas. Je le loupe en plus. Hop. Donc. Bon on est quand même bon, hein. On va le battre, je pense. On n'est pas. Enfin, ça va, c'est pas. Aïe! Ça va, c'est pas. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Même si j'aimerais bien savoir à quoi sert cette pintade. J'aimerais bien savoir à quoi sert cette pintade, perso. Parce que, quand même, bah. Elle est avec nous depuis le début, et puis. Puis voilà, quoi. Attention! Allez, allez, allez. Ouh. Attention. C'est bon. Allez, encore deux coups et on sera bon.
Enfin, un coup plutôt. Allez, 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 voilà. Allez, il est mort. Il est mort. Voilà. Non, Asher, pourquoi? Nanana. Et au final, il n'y a rien qui va changer. Ah si, des guerres parmi d'autres. Ah, j'ai gagné un succès au moins. Je vais dans les terres de feu éternel. Bien. Bon. Bon, 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 bon. Il n'y a plus qu'à voir si on a débloqué un énième perso ou si on a débloqué quelque chose. Alors. Sargon le serpent. Sargon était seulement une marionnette d'une plus grande puissance opérant après. Sargon fut planté par un oiseau démon Anzu qui prétendait avoir une dette d'honneur. C'est cri du cul de ce c'est. Hein. Ensuite, former le tissu de manchon qui considérait son propre coup, son prochain coup. Ils disent qu'il est devenu si plein de ruses qu'il pouvait mentir et tromper même le coyote. Personne ne désire être appelé Sargon puisqu'il s'agit d'une insulte grave signifiant malveillance, destruction et traîtrise. Ils disent qu'il a secrètement travaillé pour le cul, trahissant la confiance de ceux qui comptaient sur lui. Nous crachons vers l'est, nanana. Nouvelle constellation. Sargon, vous pouvez dans un... Ah, cool. Bon, bah, petite ellipse, on se retrouve tout de suite. Re, les amis. Eh bien, ça n'a rien changé. Alors, on va découvrir un nouveau perso, je veux dire, ou... On va se laisser la surprise. Alors pour le moment, on a quoi ici? On a... Ok. Donc on a notre... Ouais, on a elle, ouais. Donc ici... Ici, on a tout le monde. Ah, attends, il nous en manque un là. Je sais pas c'est lequel qui est... Mais il nous manque un perso avec... Non. Mais il nous manque un perso. Et du coup, ici... Empathique, courageux. Ah, courageux, c'est un truc que je n'ai jamais eu. Bref, on va aller sur continuer et puis on va voir est-ce qu'on a un nouveau perso ou pas. Donc, lui, on a sa dernière truc aussi. Elle, on a, lui, on a, elle, on n'a pas. Pourtant, on avait débloqué, non? Ah, peut-être pas. Et lui, on a. Oh, il est beau! J'aime beaucoup comment il est beau. Voilà. Toi, ouais, toi en avais. Toi en avais. Non. Bon. Bah écoutez, les amis. C'est la fin. Hein. Je pense qu'on peut se le dire. Dommage. Dommage. Je suis assez déçu. Je pensais qu'avec Sargon, là, on aurait débloqué quelque chose. Bon. Bah tant pis, hein. Il y a plein de choses à débloquer. Je sais pas du tout comment on les débloque. Il manque ici le costume de Hermione. Et puis ici, bah je sais pas, ça c'est quoi. Lorsque le soleil... Ah ok.
Non, mais non, mais on a tout débloqué, sauf, bah, je pense, ceux qui perdent. Et puis, voilà, il y a certains trucs qui doivent être débloquables qu'en fonction de certains talents. Mais bon, je vais pas m'amuser à faire un 100% sur le jeu. On a vu tous les persos, on a vu l'histoire. Bon, bah voilà, on a fait une grosse partie du jeu. Vous voyez, hein, on a pratiquement tout débloqué. Un super jeu, je vous le conseille. Même s'il vaut pas le prix auquel il est, je le concède, il vaut pas le prix auquel il est, mais quand même, c'est un très beau jeu, un très très beau jeu, et le doublage français, je vous jure, les amis, je vous jure qu'il faut que je trouve qui a fait ce doublage français parce qu'il est magnifique, il est magnifique. Ça, c'est voilà. Bref, je vous remercie. On va s'arrêter là. Ce petit let's play aura été bien bien sympathique. Je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Kaito. Bye bye tout le monde.